Tiens, rappelez les gars. Watalo, tiens, les mapare. Pas bien, pour pas mal. Après, j'accroche à voir. Tiens, pour bien. Tiens, pour ne pas mal. Il y a un patin tout. Un capin, un patin tout. J'accroche à la fin. Et pour booster la production, il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels il faut jouer, notamment la formation des producteurs en techniques modernes de production, notamment la fourniture d'engrais pour que les sols qui sont pauvres puissent être fertilisés quelque peu et permettre à la plante d'exprimer son potentiel. Et surtout la question de fournir de la semence améliorée à toutes ces petites exploitations qui tournent autour de 3 hectares sur le plateau ici. On me dit qu'on a un potentiel de bas-fonds qui ne sont pas encore aménagés. Des zones à forte capacité comme ça vont pouvoir compenser justement pour la prochaine saison, la saison d'hivernage, les provinces qui n'ont pas produit assez et pour lesquelles il y a non seulement des problèmes de disponibilité de semences, mais également des problèmes d'insécurité alimentaire. Donc une partie de cette production de banzons, comme d'autres périmètres dans la région, vont aller vers des zones déficitaires ou des zones à risque pour essayer justement de combler ces problèmes de déficit.